Bonjour à tous les gars et bienvenue, on est de retour sur le mode zombie de Modern Warfare 3, qui l'aurait cru? On est de retour avec le bug Pack-a-Punch Tier 4. Mais qu'est-ce que c'est le Pack-a-Punch Tier 4? Entre guillemets, c'est la VR11 Pack-a-Punchée et avec l'outil légendaire dessus. De base, vous n'avez pas la possibilité de mettre un outil légendaire dessus, mais grâce à ce bug que je vais vous montrer maintenant, vous aurez bien sûr la possibilité de le faire. Alors, comment ça fonctionne? Vous avez besoin de deux armes principales. Ici, j'ai pris la Renetti. Et vous avez besoin aussi de la lance. Moi, j'ai la lance débloquée avec un skin un peu ridicule, mais c'est pas grave. Plus important, c'est que si vous avez les deux, enfin, la Renetti n'est pas obligatoire. Vous pouvez prendre n'importe quelle autre arme que vous voulez. Mais la lance, par contre, elle est obligatoire. Pour procéder maintenant, ce qu'il faut faire, donc vous prenez votre arme principale, dans ce cas je prends la Renetti, et je vais appliquer l'outil légendaire dessus. Comme vous voyez, ça vient de le faire ici. Ensuite, vous sortez la lance, vous jetez 1, 2 et 3. Maintenant, ce qui se passe, c'est que quand vous switchez, vous avez les mains dehors. Maintenant, ce qu'il faut faire, là, vous switchez justement sur les mains et vous appliquez la VR dessus. Maintenant, le plus important, c'est que vous venez vers ici. Je m'arrête juste ici pour vous expliquer une chose parce que j'ai oublié de le mentionner pendant l'explication live. Une fois que vous voulez remplacer la VR que vous avez en main avec la lance qui est par terre, il faut vraiment être sûr que vous allez le remplacer avec la lance que vous avez jetée et pas la lance qui a été droppée parce que vous avez interchangé ou parce que vous avez appliqué la VR. Donc vous vous déplacez vers les lances que vous avez jetées et c'est là que vous remplacez la VR avec la lance par terre. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, il suffit de switcher sur votre arme principale. Dans mon cas, c'est la Renetti. Donc, j'ai pris la Renetti en main et vous remplacez la Renetti avec la VR qui est par terre. Ce que vous allez remarquer, c'est que la VR a pris la couleur légendaire, c'est-à-dire que maintenant, elle a un outil légendaire appliqué dessus. Et c'est ça la clé du succès. C'est là que vous allez avoir la possibilité d'appliquer encore un cristal pur dessus pour rendre cette arme incroyablement puissante. C'est ça le Pack-a-Punch Tier 4, c'est comme ça qu'on l'appelle. C'est la meilleure des armes qu'il y a dans ce jeu et je vous le garantis, vous allez le voir après. Tchac tchac, salut les gars, merci pour le contrat. Je passe par là, ça va bien. Voilà, qu'est-ce qu'on a? Une méga abomination, c'est parfait. C'est parfait, elle est juste là en bas. On va se la faire en deux coups normalement avec un peu de chance, ça arrive des fois même en un coup. Mais je pense deux coups, ça va le faire. Testons ça. Il faut d'abord qu'il fasse son petit truc là, son petit laser. Normalement, il le fait dès que t'es proche de lui. Allez, vas-y. Je suis là, mon pote. Voilà. Et là, tu tires dans la tête. Ça dégomme la tête. Pour commencer. Alors, on fait ça. Juste un peu les tours, prendre la hauteur. J'arrive pas à prendre ici, dommage. Ici par contre j'arrive. Là il va le faire je pense. Voilà. Et là dans la tête. Deux coups, j'avais pas menti n'est-ce pas? La plus puissante des choses à avoir dans le jeu. Allez, laissez-moi tranquille. Toi tu vas me protéger pendant que je suis en train de faire ça s'il te plaît. Qu'est-ce qu'on a là? Non, on en a pas besoin de ce stuff. Ah ouais, par contre ça je prends. Je dis pas non à ça. Ok, on est bon. On veut faire un autre contrat. On veut faire bien sûr un autre. Il est juste là. J'espère qu'ils vont pas le prendre. Allez, 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 laissez-moi. Ah, il y a une méga abomination. Mais oui. Allez, moi je prends ça. Ça. Parfait. Je veux pas vous déranger. Faites ce que vous avez à faire. Vous avez besoin d'aide? Moi je peux vous aider. Aïe. Donc, qu'est-ce qu'on a? Une méga abomination? C'est en deux coups. Là par contre on peut déjà choper tous les atouts. On va déjà faire la méga. Comme on est sur le chemin, ça va parfaitement. Et vous avez maintenant à nouveau la plus puissante des armes qu'il y a dans le jeu. C'est un cadeau pour vous, pour bien dire adieu à Modern Warfare Zombie avant la sortie de Black Ops Zombies. Moi j'ai hâte de la sortie de Black Ops, mais là je me réjouis vraiment qu'on ait au moins ce petit plus venant de la part de la communauté. On a réussi à nouveau à trouver encore un truc qui est fun. Bon là, la méga elle s'est fait dégommer tout seul. Elle a senti la VR arriver. On a même un petit schéma qui est affiché là. Ah, tiens, ouf. Donc on y est. Allez. Voilà.
Voilà, on fait le nettoyage. Est-ce qu'on a un autre contrat dans les environs? Non, bien sûr que non. On va se dépêcher. Là, là. Parfait, parfait, parfait. On va juste prendre le contrat et après on va acheter tous les atouts. Comme ça, on recharge plus vite nos armes. Voilà, on va y arriver. Non. Il faut qu'on prenne l'escalier, dommage. On va bien sûr prendre l'escalier. Ça me dérange pas. Alors, le contrat, où es-tu? Là-bas, bon, on va là-haut. Comme on est déjà là. J'adore. J'adore, ils ont plus aucune chance, ces méga. Plus aucune chance, ces méga. Un petit trickshot. Allez, ça fait du fun, ça. Alors, ça, 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 ça. Ça et ça. Parfait. On a tout ce qu'il faut. Toi aussi, t'as tout ce qu'il faut. Où es-tu, massacreur? Où es-tu, mon pote? J'arrive. Combien de coups va-t-il tenir? C'est la question pour vous. Hé, hey, je suis là. 1. Merde, j'ai raté. 2. 3. 3 coups. Il tient plus longtemps que la méga. Et encore un schéma. Joli. Et ce qui est génial avec la VR, peut-être vous le saviez pas, pour ceux qui sont nouveaux au jeu, même si ça fait bientôt maintenant un an qu'il est dehors, la VR peut réparer les véhicules. Donc, quand vous avez un véhicule qui est cassé, vous réparez avec la VR sans autre. Et même votre allié peut le faire pour vous au cas où. Donc ici, les passagers, il a qu'à tirer sur le véhicule pour réparer. Là, il n'y a pas de méga qui a fait son petit spawn. Oh mince, je viens de passer à côté. On a 11 tirs dessus. C'est plus que assez pour quelqu'un. On va faire ça. Je voulais pas prendre ce truc. Transforme quelques-uns. On a à nouveau un massacreur. Donc on avait 3 coups pour le faire. Est-ce que c'est 2 headshots? Parce que j'avais le premier coup, je crois que j'avais porté, c'était pas un headshot. On va voir si cette fois, si on fait un headshot, si c'est du 2 coups. Mais je vous ai pas menti, vous voyez. Le Pack-a-Punch 4 is back. Et c'est vraiment fun. J'avais oublié tellement que c'était fun. Avec tous les bugs qu'on avait au début. Je sais pas si vous vous rappelez. Ça avait commencé avec la pierre tombale. Après on est passé avec le bug du stock. Deux headshots. Et c'est fait. Deux headshots. C'est incroyable. Allez, dégage. Voilà, là on a des alliés qui vont pouvoir tirer dessus. Faire le plein de mun, s'il vous plaît. Allez, tirez lui dessus. Pas très efficace l'équipe là, oh. Alors, là, il y a encore un contrat. On m'a volé le contrat. Non, on m'a volé. Mais comme je les déteste ceux-là... Ils sont one shot. Ils sont one shot, allez, hop, loin. Hoppa. C'est fun. C'est trop fun, même. J'ai quelques Casimir, c'est parfait. Je sais pas s'il y aura encore une vidéo avant la sortie de Black Ops. Je sais pas. Je pense que peut-être, éventuellement, maximum encore une. Mais à mon avis, ça risque d'être vraiment la dernière vidéo de Modern Warfare Zombies avant la sortie de Black Ops. J'ai pas mal de choses dans ma vie privée encore à faire. Donc, on va déjà dire un tout petit adieu. Et on se reverra très bientôt, mon ami. J'espère. J'espère. Mais on l'a vu avec la DMZ. C'est toujours en vie alors qu'il n'y a pas de mise à jour après un an. Donc ça peut très probablement arriver à ce mode aussi. Hein. On ne sait jamais si la communauté trouve autre chose qui est intéressant, un challenge qui est intéressant à faire dans ce mode. On ne sait jamais. Bon, c'est pas loin, on va prendre le portail qui est juste là. Et on va faire le dernier contrat. Qu'est-ce qu'on a? De nouveau un massacreur. Bon, bah on finira avec un massacreur dans ce cas. On a eu 3 massacreurs quand même. Wow. On a fait quand même 2 méga abominations. Ne l'amochez pas trop. Mais non, t'inquiète, il est là.
C'est lui, là? Non. Where is... le massacreur? Où es-tu? Il est où? Voilà. Voilà. Il se rapproche. Mais de quoi se rapproche-t-il? Ah, une clé légendaire. Super! Ça me refait mon stock. Merci, mon pote. Et voilà, les gars. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Si c'est le cas, surtout, n'oubliez pas de vous abonner. L'objectif des 10 000 abonnés, il est toujours là. Je compte sur vous. Je compte sur vous. Bien sûr, on fera des vidéos sur Black Ops Zombies. J'ai hésité de l'acheter, mais du coup, là, j'ai pas grand-chose à faire. Et je suis quand même hypé maintenant. Je veux jouer en mode zombie. J'ai vu passer qu'ils sont en train de modifier la map. Comment il s'appelait? Celle qu'ils avaient montrée en dernier. Parce que les gens, ils étaient pas contents du look. Et apparemment, ils vont la rendre un peu plus sombre, etc. Et ils vont modifier un peu d'autres trucs sur cette map. Ça va être cool. J'espère que vous avez aimé, les gars. À la prochaine. Peace. Yes. Yes. Regardez ça, les gars. Allez. Quelle atrocité. Let's go. Est-ce que ça va tirer? Je veux voir. Allez. Yes. Tirez, 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 tirez. Tirez, tirez. Oh, le carnage. Allez. Et on se casse. Et on met ça et tchuss, les gars. À plus.